Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va impec. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de conception de personnages 3D. On va créer un personnage avec un logiciel totalement gratuit qui s'appelle MakeHuman. Il n'est pas très connu, mais vous verrez, il est très sympa. Je vous mets dans le descriptif le lien de téléchargement. Vous avez plein de petits plugins que vous pouvez aussi télécharger pour habiller les personnages ou leur donner des postures particulières. On va créer donc une scène fixe, pas d'animation pour l'instant, on fera ça dans une autre vidéo. Donc on va importer notre personnage dans un autre logiciel. Donc on peut le faire aussi avec Cinema 4D. Nous, on va créer une scène paysage avec EonView et on va intégrer notre personnage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, pour commencer, on lance MakeHuman, donc ce petit icône-là. De toute façon, vous allez rapidement le trouver après le téléchargement. Donc là, on est en version 1.2.0 qui doit être la dernière, même si elle n'est pas très récente. Je crois qu'elle est de 2020, c'est la dernière. Donc, quand on arrive dans la fenêtre, on a donc la possibilité de, comme ça, faire tourner en 3D son personnage. Et on a déjà les premiers paramètres qu'on va pouvoir régler ici, c'est-à-dire genre, homme ou femme, le type d'âge, ici, vieux ou jeune, et différents autres paramètres. Donc on va régler la masse musculaire ici, la taille, les proportions on laisse telles quelles, asiatique, et là on va laisser tel que ça. Alors vous verrez dans le logiciel, tout n'est pas super pratique, les onglets en haut de navigation, moi perso je trouve que c'est assez moyen, j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver parfois. Donc on va essayer de trouver déjà simplement les premiers réglages. Ici on va modifier la taille de la poitrine. Les autres paramètres, on les laisse tels que ça. Ici, le torse, bras, jambes, aléatoire personnalisé. Là, il y a certains paramètres qu'on ne va pas toucher. On va dans géométrie. On va aller voir au niveau des yeux. Ça, on ne va pas modifier non plus dans la mesure où nous, on n'anime pas. Ici, on va choisir cette coupe de cheveux-là. Les dents, pas besoin puisque nous, on ne va pas les voir. Ici, pas besoin, les sourcils. Voilà. On va zoomer un petit peu au niveau des sourcils. Ok. Et les cils. Voilà. Et la langue, on n'en aura pas besoin. Dans l'onglet matériaux, alors, on va laisser tel que c'est là pour éviter les bugs au niveau de la pose rendu. La pose, on verra tout à l'heure avant l'exportation. Arrière-plan, on n'en a pas besoin puisque nous on va l'intégrer. Donc, après, ici au niveau des vêtements, on va choisir une tenue sportive qui va être celle-ci avec ces baskets-là. Et après, on va aller dans la partie pose, ici. Et là, nous, étant donné. Alors, si vous voulez l'animer, effectivement, il faudra lui donner cette pose-là au niveau de l'exportation pour pouvoir après faire le rigging, c'est-à-dire l'animation dans Mixamo. Nous, on va lui donner une posture, par exemple, sportive. Celle-ci. Voilà. Et on va l'exporter au format DAE en cliquant ici. Ok, et les textures seront normalement exportées aussi. Ok, allez, on ouvre EonView. On va créer un terrain simple dans un premier temps, celui-ci. Ok. On actualise la vue là. Et on va importer notre personnage. Donc, importer un objet. Ok. Maintenant, on va venir le placer dans le champ de la caméra. Ici. Là. Et je viens la placer sur le sol. Et là déjà, je vais faire un petit rendu rapide.
Voilà. Ok. Donc ça fonctionne très bien. Donc on va peut-être maintenant modifier juste 2-3 éléments dans l'environnement. On peut par exemple changer un peu d'atmosphère. Pour voir ce que ça peut donner au niveau des différentes projections. Donc, on va rajouter par exemple de l'eau pour qu'en arrière-plan on ait quelque chose un peu plus sympa, et on peut éventuellement modifier un petit peu l'axe de la scène. Alors pas forcément trop. Voilà, ça pourrait donner ça. Et maintenant au niveau des textures, on va peut-être modifier un petit peu la texture de ce terrain là en particulier pour l'adapter et faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc voilà, donc on rajoute une texture un petit peu différente de manière à avoir un rendu un peu plus sympa. On va se placer comme ça et on va modifier un tout petit peu peut-être l'angle de la caméra pour voir ce que ça donne. Voilà, et on va rajouter éventuellement la lune qui soit visible. Ici, ok, alors on va la placer voilà, éventuellement ici, et on va se rajouter un nuage en plus. Et on va faire un rendu simplement visuel rapide de la scène. Donc je sélectionne ma fenêtre principale qui est là, je clique là et je valide ici. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter juste changer un petit peu la taille de la lune que j'ai sur le côté, la planète, on la modifie un tout petit peu comme ceci, et là je vais faire un rendu complet de l'image. Alors pour ce faire, ici la qualité, on va se mettre en mode ultra 1920 ici en termes de taille. Et on va, alors, rendu externe, rendu interne, pardon, on va faire rendu sur le disque, ok,
ici, on va se mettre en JPEG. Voilà. Et on va faire calculer. Donc voilà, donc je vous ai coupé un peu le temps de calcul, voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc il y a moyen effectivement de concevoir des personnages et de les intégrer. Donc voilà, le rendu des textures sur les personnages est peut-être un peu juste, mais en tout cas, globalement, pour intégrer dans une scène, ça suffit largement. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.